Bonjour à toutes et tous. Voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à ce bel ange. L'ange numéro 67, Eyaël. L'ange Eyaël est un ange masculin qui symbolise l'évolution supérieure. Il symbolise la compréhension et le réconfort. Cet ange gardien accorde beaucoup de sagesse à ses natifs. Grâce à sa joie de vivre, il aide à voir le côté positif des choses. Si vous appréhendez un changement, vous pouvez invoquer Eyaël pour vous soutenir dans cette étape de votre vie. S'il est l'ange procurant une grande joie de vivre, il peut vous venir en aide pour voir le côté positif de toute chose. Invoquer cet ange est aussi judicieux si vous vous sentez triste et isolé. En effet, il favorise les échanges et vous montre les bienfaits de la solitude. Il vous aidera à embrasser le changement et à vous adapter aux nouvelles situations. Il peut vous aider à voir le côté positif des choses, à trouver des opportunités dans les défis et à transformer les obstacles en tremplins. Il a la capacité de vous faire réaliser que chaque fin est un nouveau commencement, que chaque échec est une leçon apprise et que chaque peur est une invitation à devenir plus courageux et plus fort. Prière à l'ange Eyaël. Eyaël, ange de vérité, aide-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a confiées par ton intermédiaire. Fais que je sache discerner le vrai du faux. Et permet que, dans mon travail quotidien, je puisse rendre témoignage de la vérité, de l'harmonie, de la sagesse, de la beauté. Rends-moi fort dans l'adversité et ne permets pas que mes lèvres prononcent des paroles mensongères pour échapper à des situations embarrassantes. Montre-moi, ange Eyaël, le chemin de la haute science. Oui, prends-moi par la main et conduis-moi vers la réussite spirituelle, morale et aussi matérielle, sentimentale, économique, familiale. Oui, oui, libère-moi, ange tout-puissant, des servitudes matérielles, afin que je puisse réaliser l'œuvre que tu m'inspires. Instruis-moi, instruis-moi sans cesse. Déverse
sur moi la connaissance, car je veux être un instrument efficace de cette création permanente qu'est notre monde. Merci et reçois tout mon amour et ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.